Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. اللهم صلي. اللهم صلي. على محمد. على محمد. وعلى آل محمد. وعلى آل محمد. كما صليت. كما صليت. على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وحده. وحده. لا شريك له. لا شريك له. له الملك. وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شيء قدير. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé de l'importance de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous souvenez ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque l'on entend le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tesnim, qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien, on dit sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire aussi alayhi salatu wa salam. Répétez alayhi salatu wa salam. Alayhi salatu wa salam. Ensuite, qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala y fait? Je vais pas poser la question. Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala y fait lorsque l'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, Kawthar? Non. Oui. Il prie 10 fois pour nous. Alors, très bien. Premièrement, lorsque tu pries, Man salla alayya wahida sallallahu alayhi ashara, celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala priera sur lui 10 fois. Également, on avait dit que lorsque tu priais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla lui redonne la vie. Il lui remet son âme et le prophète alayhi salatu wa salam te rend le salam. Également, les anges, ils demandent à Allah tabaraka wa ta'ala de te pardonner. Ils demandent à Allah azza wa jalla de te pardonner. Vous vous souvenez, on avait cité plusieurs mérites et plusieurs bienfaits de prier sur le prophète alayhi salatu wa salam. Qui nous a demandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah azza wa jalla nous a demandé dans le Coran de prier sur le prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est pour cela que dès que tu as un temps, dès que tu penses, dès que tu peux, et ben tu récites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Si tu connais pas, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. D'accord les enfants? Ça c'est vraiment important. Ensuite, choisis le mot correct et entoure-le. Allah Azza wa Jal nous a demandé pour qui? De prier pour qui? Pour le prophète, alayhi salam? Pour le jeune ou pour le shaitan? Bon. Allah Azza wa Jal nous a demandé de prier pour qui, Kawthar? Pour le jeune? On doit prier pour le jeune? Non. Non.
On doit prier sur. Oui. Oui. On doit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous. Donc, quand nous voyons, quand nous entendons ou quand nous écrivons le nom du prophète, ça, nous prions sur lui. C'est quand, à quel moment on prie sur le prophète, allez, ça, c'est quand on... Qu'est-ce qu'on fait? On voit son nom? On écrit son nom? On entend son nom? Alors, quand on l'entend, mais également quand on écrit. Quand on écrit le nom du prophète, alayhi salatu wassalam, on écrit sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ici on peut entourer voyons, écrivons. D'accord? Mais à la base bien sûr c'est entendons. Entendons. Mais lorsque l'on voit le nom du prophète et qu'on le lit, on dit aussi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici les trois ils sont bons, mais ce qui est voulu ici c'est entendons. Alors, si nous prions une fois pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah priera combien de fois sur nous? 5 fois, 100 fois ou 10 fois? Oui? Très bien. 10 fois, 10 marrat. D'accord? Il priera 10 marrat, c'est-à-dire 10 fois. Qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est le fils d'Allah? Est-ce que c'est le messager d'Allah? Est-ce que c'est l'ami d'Allah? Alors ici, on peut en entourer deux. Et en barrer une. Oui. Alors, le messager d'Allah, très bien. Et le deuxième? Très bien, c'est l'ami Khalilullah. Allah Azza wa Jal, il a deux Khalil. C'est-à-dire, il a pris deux prophètes comme amis intimes. Qui connaît les deux prophètes? Alors, le premier, c'est qui? On vient de le dire. Eden? Non, on vient de le dire, oui. Oui? Oui, toi? C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième, c'est qui? Le Abi de Ismaïl et de Ishaq. Celui qui a construit la Kaaba. Avec Ismaïl, avec son fils Ismaïl, celui qui avait cassé toutes les statues et qui avait laissé la plus grande. Ah, je sais, Ibrahim. Très, très bien, Tesli, mashallah. C'est le prophète Ibrahim. Répétez, Ibrahim. 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 Alayhi salam. D'accord, les enfants? C'est compris pour ça ou pas? Oui. Donc on répète Allahumma salli. Allahumma salli. Ala Muhammad. Ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita. Kama sallaita. Ala Ibrahim. Ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Innaka hamidun majid. Wa barik. Wa barik. Ala Muhammad. Ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama barakta. كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد.